Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolou Mike et dans cette vidéo je vais tester le nouveau jetpack qu'ils ont mis sur Fortnite. Donc logiquement c'est un jetpack à la Iron Man, un peu comme je suis en train de l'utiliser là. Sauf que c'est pas vraiment le même jetpack, parce que celui-là ben, il me fait pas monter en l'air, il me fait juste planer. Alors logiquement je sais qu'il y a un jetpack qui se trouve, qui se trouve juste là. Logiquement je l'ai vu dans une vidéo, alors est-ce que le spawn est aléatoire ou est-ce que le spawn est fixe? Donc on va voir ça tout de suite. Et je pense qu'il est aléatoire parce que tout simplement, la personne que j'avais vue sur internet le trouvait juste ici. Et là, bah en fait, il n'y a rien du tout. Donc je vais chercher après un jetpack. Ok, donc je viens de trouver un jetpack dans un coffre. Alors c'est très compliqué de trouver des jetpacks. J'ai fait pas mal de coffres, c'est déjà la deuxième partie que je suis en train de faire. Et c'est très compliqué. Donc regardez, le pack il est sur mon dos là. Ok, bah en fait il s'est mis directement sur mon dos. Est-ce que je peux, normalement je peux hein, genre m'équiper de mon arme. Attendez, déjà je vais l'enlever pour voir un truc. Voilà, vous voyez la différence avec le jetpack de Iron Man. Bah ça aussi c'est le jetpack d'Iron Man, enfin de Stark Industries quoi. Réacteur dorsal Stark Industries. Mais vous voyez la différence hein, il est déjà beaucoup plus gros. Alors voyons voir si j'ai mon arme, est-ce que je peux voler? Voilà, parfait. Est-ce que je prends des dégâts de chute? Ouais, je prends des dégâts de chute. Donc voilà, c'est comme le jetpack qu'on a déjà eu avant, pour ceux qui se rappellent. Vous avez une jauge limitée, hein. Vous avez une sorte d'essence. Quand vous avez plus de fuel, ben, vous ne pouvez plus l'utiliser et vous devez le jeter. Je pense qu'on ne peut pas le recharger à la pompe à essence. Enfin, je ne pense pas, faudrait essayer. Bah non, c'est impossible, comment tu voudrais que j'ai... Enfin, on va quand même essayer, mais on va pas vraiment comment je pourrais le recharger. Peut-être une petite idée, on va tester ça. Ok, il y a une voiture là-bas. Bon, voyons voir. Si je fais ça, que je fais ça. Voilà, 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 voilà. Faut pas qu'il me voit, lui. Attends, je vais faire ça. Hop. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Et je me suis fait niquer pour tester ce putain de truc de merde. Mais bon, de toute façon, le coffre, vous pouvez trouver... Oh là là, attendez. Vous pouvez trouver le jetpack soit dans les coffres, parce que le son du jeu était beaucoup trop fort. Vous pouvez trouver le jetpack soit dans des coffres, soit posé comme ça par terre. Et je pense que vous pouvez trouver des jetpacks aussi... dans des colis de largage de ravitaillement. En tous les cas, ils ont l'air difficiles à trouver parce qu'il m'a fallu au moins 2-3 games et il m'a fallu pas mal de coffres à ouvrir pour le trouver. Mais bon, voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo de présentation de jetpack d'Iron Man vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications, c'est très important. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolou Mike et ciao. Peace. Make bruh.